1988, Challenger ouvrait ses portes. Conçu à l'initiative de Francis Bouygues, le site se trouvait à la pointe des technologies et témoignait déjà de la capacité d'innovation du groupe. 2008, un ambitieux projet de rénovation en site occupé est lancé. Son objectif, redonner à Challenger son rôle de vitrine de nos savoir-faire. En cohérence avec les valeurs prônées par Bouygues Construction, le projet vise la triple certification environnementale HQE, LEED et BRIM. Trois principes guident la rénovation de Challenger. La réduction des consommations, la production d'énergie verte, l'amélioration du confort des collaborateurs. Le premier enjeu d'une démarche de rénovation durable consiste à réduire les consommations d'énergie. Un audit de la performance thermique de Challenger a donc été réalisé. Il a permis d'identifier deux axes d'amélioration. Renforcer l'isolation des murs et terrasses. Remplacer la façade existante par une paroi double peau ventilée naturellement. La maîtrise des consommations d'eau est également une préoccupation majeure. Une station de phytoépuration assure de manière complètement naturelle l'assainissement des eaux usées et pluviales, sans rejet dans le réseau public. Grâce à la réutilisation sur le site des eaux traitées, les consommations sont ainsi réduites de près de 60%. Les ressources naturelles sont par ailleurs sollicitées pour la production d'une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du site. 75 sondes et un doublé géothermique sur nappe d'eau assurent la régulation thermique des bâtiments. 21 500 m² de panneaux photovoltaïques fournissent près de 2000 MWh d'électricité par an directement utilisés pour le fonctionnement de Challenger. L'installation de 420 m² de panneaux solaires thermiques produit la moitié des besoins en eau chaude sanitaire pour le restaurant d'entreprise et le gymnase. Pour optimiser l'utilisation de l'ensemble de ces équipements, un cockpit a été créé. Véritable tour de contrôle, il est le lieu de remontée de toutes les informations. Le cockpit dispose également d'un espace hypervision, autorisant la gestion à distance des bâtiments exploités par Exprim, filiale du groupe spécialisée dans le facility management. La rénovation de Challenger est aussi l'occasion d'améliorer le cadre de travail des collaborateurs. Un soin tout particulier a été apporté au confort visuel, acoustique et olfactif des espaces de bureau. Les salles de réunion, dont le nombre est augmenté de 50%, sont équipées d'écrans plats, de vidéoprojecteurs ou de systèmes de visioconférence. 111 box ont par ailleurs été créées sur les plateaux pour permettre des échanges en toute confidentialité. Challenger affiche un niveau de performance exemplaire. Une division par 10 des consommations d'énergie primaire, passant de 310 à 31 kWh par mètre carré par an. Une réduction de 60% des consommations d'eau. Une production d'énergie photovoltaïque de près de 2000 MWh par an. La rénovation de Challenger est ainsi l'opportunité pour Bouygues Construction de se positionner comme un acteur majeur de la rénovation durable, contribuant à la création d'un meilleur cadre de vie et de travail pour tous.